Les abus de confiance, les arnaques, les mensonges, l'escroquerie. Si vous êtes de la diaspora et que vous avez déjà essayé d'investir en Afrique, vous avez été sûrement confronté à ce genre de problème. Comment faire pour contourner ce genre de choses en 2020? Comment Internet peut vous aider à investir en sécurité en Afrique si vous le souhaitez? Si vous êtes de la diaspora, cette vidéo est la vôtre. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book 3 secrets de réussite d'un business en ligne et suivre la formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Je vous l'offre, c'est gratuit. Internet représente aujourd'hui un outil qui a permis de faire du monde un village planétaire. Et bien pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui avec Internet, vous pouvez communiquer avec n'importe quelle personne de n'importe quel endroit de la Terre. Vous êtes d'accord avec moi que ces dernières années passent avec l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, on peut toute l'information part très rapidement. L'information part très rapidement, ce qui veut dire que lorsqu'on a un fait qui se déroule dans un pays, en un rien de temps, en moins de 2 heures de temps, tout le monde entier est déjà au courant de ce qui s'est fait. Tout simplement parce que tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a accès à Internet et tout le monde et l'information est à disposition de tout le monde. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cela pour faire du business? Aujourd'hui, on a l'Afrique qui a un marché vaste, un marché vierge en ce qui concerne l'e-commerce, tout simplement parce que, personnellement, je le dis, en Afrique, il n'y a pas de concurrence. Tout simplement parce que la multitude de sites qui sont en Europe, cette fréquence de sites internet-là n'est pas pareille en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez investir en Afrique, vous voulez investir dans votre pays et que vous n'avez pas la possibilité, vous avez des problèmes de confiance, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous pouvez utiliser Internet pour asseoir un business en Afrique à travers l'e-commerce. Pourquoi l'e-commerce? Tout simplement parce que c'est en plein essor dans les pays en Afrique. L'e-commerce est en plein essor, mais le problème est que pas le problème, l'opportunité est que le marché n'est pas encore saturé. Le marché est vierge. Il y a encore de la place pour tout le monde. Tout simplement parce que, en fait, la portée, lorsque tu es dans l'e-commerce, la portée d'une publicité ou le budget que tu vas dépenser pour une publicité, si tu investis sur le marché africain, n'est clairement pas le même budget que tu vas dépenser si tu investis sur le marché européen. Parce que sur le marché européen, eh bien, il y a plus de concurrence. Il y a de la place à se faire dans l'e-commerce. Et surtout, avec Internet, vous avez la possibilité de suivre vos ventes de l'étranger. C'est Internet, il s'agit d'Internet. Imaginez, vous avez un site Internet et vous vendez des articles dessus en Côte d'Ivoire, puisque c'est le cas d'espèce que je connais le mieux. Vous vendez des articles en Côte d'Ivoire. Si vous avez, par exemple, 10 commandes par jour sur votre site Internet de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, vous pouvez suivre que aujourd'hui, j'ai eu 10 commandes. Je vais faire livrer 10 commandes à tel nombre de clients. Voilà telle somme d'argent que j'aurai. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir quelqu'un de confiance dans le pays que vous visez. C'est tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un de confiance. Et pour ça, ce que je trouve déplorable, j'ai plusieurs élèves, plusieurs clientes qui ont réussi ce pari-là en Afrique, qui ont réussi de l'étranger à implanter leur business, leur e-commerce en Afrique. Et elles arrivent à suivre leur activité de là-bas. Comment est-ce qu'elles ont réussi à le faire? Tout simplement parce que la plupart du temps, quand les gens veulent se lancer, ils cherchent automatiquement à impliquer les membres de leur famille. Ils veulent impliquer les membres de leur famille. Ah oui, j'ai un cousin, j'ai un oncle, j'ai une tante. Je vais l'impliquer pour mettre mon business assurer sous sa responsabilité pour voir ce que ça donne. Eh bien non, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Parce qu'en affaire, ben, les émotions, on les met de côté. Et il est très avantageux pour vous que vous
mettiez votre famille en dehors de votre business. Ok, en dehors de votre business. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous devez faire en termes de ressources humaines? Vous devez être amené à recruter. Et ça, c'est ce que je conseille et que je fais avec mes clientes. Vous devez recruter. Si vous voulez vous lancer au Gabon, vous devez recruter de la France quelqu'un de confiance au Gabon. Okay? Et ça, vous avez besoin juste de faire un entretien avec la personne, de savoir sa moralité, okay? D'avoir des retours par rapport à cette personne-là, de savoir si la personne est vraiment une personne de confiance pour lui confier la gestion entre griffes de votre activité. Parce que ben, pour toute entreprise, il faut un gérant, okay? Pour lui confier la gestion de votre activité. Une fois que vous y arrivez, vous n'aurez pas de problème à installer votre business, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Vous n'aurez pas de problème. Internet vous permettra de l'étranger de suivre tout ce que vous aurez à faire avec votre business. Toutes les commandes, toutes les sommes d'argent qui vont rentrer, vous serez informé en temps et en heure. C'est en fait ça qui représente une opportunité vraiment fantastique. Donc, le fait que vous avez la possibilité de suivre l'évolution de votre business et de suivre vos ventes, de suivre vos clients de l'étranger, et le fait que vous avez la possibilité aussi de trouver quelqu'un de confiance avec qui travailler, sont vraiment des facteurs que vous ne devez pas négliger et que vous devez tenir. Vous devez prendre en compte si vous voulez investir dans votre pays, si vous voulez investir en Afrique. Raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser le e-commerce qui représente une opportunité en or si vous ne savez pas où investir. Une opportunité en or si vous ne savez pas quoi faire. Et que vous voulez asseoir un business au pays pour que les revenus que vous allez avoir, vous allez pouvoir acheter une terre, acheter une parcelle, acheter un terrain, etc., etc. Ça, c'est une opportunité en or et vous ne devez pas la manquer. L'une des opportunités que vous devez prendre en compte si vous voulez utiliser Internet pour investir en Afrique, pour investir dans votre pays ou dans n'importe quel pays d'Afrique, c'est que en Afrique, les gens ont tendance à vouloir tout ce qui est de l'Europe. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Les gens ont tendance à vouloir tout ce qui est de l'Europe. Les jeunes filles ont envie d'avoir les sacs de H&M, les sacs de Bershka, les vêtements de telle marque. Je ne maîtrise pas les marques, mais je sais que les filles en raffolent. Les filles ont envie d'acheter ces choses-là qui viennent de l'étranger, les H&M, les marques, etc. Elles ont envie de ces choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là si vous voulez vous positionner? Vous pouvez installer une boutique en ligne qui sera un distributeur d'une de ces marques. Ça, c'est une possibilité. Avec l'e-commerce, vous pouvez installer, puisque vous êtes en Europe, vous n'avez pas de problème à acheter de la marchandise chez ces marques-là et à venir les repositionner en Afrique. Ça, c'est une idée de business parce que, en fait, là, il y a déjà un marché qui est prêt et qui attend. Il y a déjà un marché qui est prêt et qui attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller acheter la marchandise chez votre fournisseur en Europe. Et ça, j'ai pris un exemple banal dans n'importe quel, que ce soit les parfums, que ce soit telle ou telle chose, vous avez la possibilité d'installer votre business comme ça. Parce que les gens, en fait, en Afrique, ont envie d'acheter ces produits-là de l'étranger, sont prêts à payer le prix pour avoir ces produits-là. Mais la plupart du temps, soit n'ont pas quelqu'un là-bas ou ont besoin de voir que lorsque quelqu'un va voyager pour leur amener le produit, etc., c'est compliqué. Mais les gens, je connais une entreprise, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui s'est positionnée comme une entreprise qui fait tes achats en Europe pour te les renvoyer. Lorsque c'est la période de Noël, par exemple, l'entreprise d'affaires dit, voilà, nous, on se propose de faire vos courses chez les grandes boutiques, les grands magasins à Paris et on vous les ramène à Abidjan. Et ils facturent pour ça. Ils facturent pour ça. Voilà des idées de business. Et c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et cette entreprise-là génère de la trésorerie. Il y a
plusieurs possibilités que vous pouvez utiliser pour vous faire de l'argent. Plusieurs possibilités. Surtout si vous êtes en Europe et que vous voulez investir en Afrique. L'e-commerce, Internet, vous est un plateau d'or sur votre main. Est un plateau d'or sur votre main. Comme je disais, vous devez identifier la niche dans laquelle vous allez vous positionner, ok? Ce que vous allez vendre, si vous voulez, vous faites un dropshipping ou si vous voulez, vous faites du stock. Mais tout compte fait, l'objectif est que vous mettez en place un business en Afrique, dans un pays, en ciblant exactement ce que vous voulez faire par rapport à votre business, en créant une entreprise vraiment, vraiment agréée et professionnelle dans le domaine. Vous serez étonné des résultats. Il y a des gens qui me contactent et qui disent, Tatiana, j'ai l'argent, je ne sais pas où investir, je ne sais pas quoi faire exactement. Voilà des idées. Voilà des idées. Je veux susciter la curiosité en vous de pousser encore plus, d'aller un peu plus loin. Vous pouvez faire ça. Ok, vous pouvez faire ça et éviter et sortir en fait de ces « je me suis fait arnaquer », etc. Aujourd'hui avec Internet, on ne se fait pas. J'ai envie de dire, si tu investis tu veux investir en Afrique et ne pas te faire arnaquer, tu as 80% de chance de sécurité lorsque tu investis. Tu fais ton dropshipping, lorsque tu fais ton e-commerce, si tu es de la diaspora, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce que ça réduit le risque, en fait, de recommencer ton business à chaque fois. Donc, je fais cette vidéo-là pour que vous puissiez vous mettre au travail par rapport à ça. OK? Pour que vous puissiez vous mettre au travail. Vous pouvez être distributeur de Zara dans un pays. Facilement. Facilement. Sans même... sans trop de casse-tête, etc. Vous pouvez le faire. Et... je pense que je sais déjà qui va saisir cette opportunité-là parce que j'en ai discuté avec une cliente cette semaine. Vous devez le faire. Et ça, c'est ce que plusieurs de mes clientes ont réussi à faire. Même si elles ont choisi des types de business models différents, mais Internet aujourd'hui leur permet de suivre leur business de l'étranger tout en investissant en Afrique. Les représentants qu'elles ont trouvés se charge de leur ramener de l'argent, ok? De leur ramener de l'argent chaque mois, chaque deux semaines, etc. De leur ramener de l'argent. Et elles continuent à faire tourner leur business comme ça. Des gens qu'elles ont recrutés, des employés qu'elles payent à la fin du mois avec un contrat. C'est-à-dire que c'est professionnel, ok? Et vous devez, en fait, votre plus gros challenge sera de trouver quelqu'un de confiance. Mais des gens de confiance... ça se trouve facilement aujourd'hui sur Internet. Ça se trouve facilement aujourd'hui sur Internet. Il suffit que vous ayez un entretien avec la personne. Vous ayez un entretien avec la personne. Vous vérifiez sa moralité. Vous lui posez les bonnes questions. OK? Pour voir si la personne est capable de vous aider dans votre démarche. Une fois que c'est OK, vous lancez, c'est tout. Vous lancez et vous avez des résultats. Une autre opportunité, c'est que aujourd'hui Internet te donne la possibilité de te positionner sur plusieurs pays en même temps. Si tu veux investir au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Tu n'as qu'à te positionner sur ces quatre pays-là en même temps si tu as le budget pour. Tu n'as pas de problème. Et c'est l'e-commerce qui te donne la possibilité de faire ça facilement en fait. Tu peux le faire. Ok, aussi, j'ai parlé d'Internet. Ok, il y a aussi la proposition de service. L'investissement, vous pouvez investir dans plusieurs domaines. Vous pouvez investir dans le coaching. Vous pouvez investir dans l'infopreneuriat. Mais tout compte fait, toujours orienté vers le marché africain. Parce qu'aujourd'hui, le marché africain a besoin de ce genre de choses. A besoin d'acheter des connaissances. A besoin d'informations. Nous sommes à l'ère de l'information. Et... c'est des choses qui ne sont pas encore très répandues sur le continent africain. Ça veut dire que c'est le moment que les gens doivent, c'est l'opportunité que les gens doivent saisir pour se positionner. Parce qu'il n'y a pas trop de concurrence. Donc, tout compte fait, vous avez des larges possibilités avec Internet de choisir le domaine dans lequel vous voulez vous lancer et d'investir
avec comme cible le marché africain. Que ce soit l'e-commerce, que ce soit le dropshipping, que ce soit en vendant des services, en vendant du coaching, en étant infopreneur, vous pouvez faire toutes ces choses. Mais vous devez savoir que ce qui est particulier avec les métiers d'Internet, avec tout ce qui tourne autour de l'e-commerce, c'est que vous avez facilement le contrôle sur votre business. Vous avez facilement le contrôle. Si vous êtes même dans les services, ok, par exemple, pour l'infopreneuriat ou le coaching, vous n'avez pas besoin de marchandises physiques pour que quelqu'un gère votre stock, par exemple. Vous n'avez clairement pas besoin, vous gagnez votre argent qui vient de l'Afrique, mais vous êtes en Europe sans problème en fait. Et ça, ce sont des idées business que vous devez creuser, que vous devez mettre en place. Je l'ai fait pour ceux qui sont de la diaspora, cette vidéo, pour que vous puissiez vous mettre en action pour investir en Afrique, pour investir dans vos pays, pour investir partout où vous voulez. Ok? Tout simplement parce que c'est en le faisant qu'on va donner de la valeur à notre continent. Et moi, je vous encourage à utiliser Internet, l'opportunité en or que Internet vous offre pour investir en toute sécurité en Afrique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo très vite et restez focus. Ciao.